Bonjour à tous, je vais vous faire découvrir les nouveaux produits Euromet que nous présentons ici à Francfort sur ce salon. On va commencer avec ce nouveau flight case très sympa. C'est un flight case en bouleau, 100%, aucun plastique. Vous pouvez voir à l'intérieur qu'il n'est pas peint. Il s'agit d'une couche protectrice, imperméable, qui le protège de l'humidité. C'est un système isolant. Il est équipé de nombreux rivets en aluminium qui lui assurent une grande robustesse et forcément une longue vie, ce qui est fondamental pour ce type de produit. Voilà, c'est du 100% Euromet, y compris les rivets, bien sûr. Nous avons bien sûr d'autres nouveautés à vous montrer. Il s'agit de produits dédiés à l'audiovisuel, plutôt adaptés aux administrations, les banques, les services publics, enfin les bureaux en règle générale. Voici donc un stand de support pour écran LCD. Vous pouvez y fixer un écran de 36 pouces de différentes manières grâce à ses nombreux points de fixation. La base est disposée sur des roues pivotantes, ce qui vous permet donc de le transporter facilement d'une pièce à une autre. Il est bien sûr également télescopique, ce qui vous permet d'adapter sa hauteur à vos besoins. Et son design est vraiment bien adapté à la fonction pour laquelle il est dédié. Voyons maintenant le grand frère, si je puis dire, de ce produit. C'est un stand spécialement conçu pour les écrans LCD ou plasma plus volumineux. Vous avez ici un cadre universel que vous pouvez ajuster à la dimension qu'il vous faut. La base peut être équipée soit de pieds, soit de roues, ce qui vous apporte une solution fixe ou nomade selon vos besoins. Il est également adaptable en hauteur, bien sûr, puisqu'il est télescopique. Et quand on regarde à l'arrière, on voit qu'il y a une cavité qui permet de glisser les câbles et les fils afin de ne pas les écraser. Voici une autre solution vraiment très utile et très pratique, notamment pour les émissions de télévision ou radiophoniques. C'est un stand au sol conçu pour des écrans de 55-56 pouces, qui est équipé de roues avec freins, qui peuvent être donc immobilisés. Il est extrêmement facile à transporter puisqu'il se plie. Vous pouvez donc l'emmener partout avec vous, partout où vous en avez besoin. C'est donc un outil très facile à transporter d'un site à un autre. Nous avons bien sûr d'autres solutions, comme ce petit modèle mural, extrêmement modulable, et qui permet de supporter un poids de plus de 90 kg, malgré sa taille. C'est vraiment un appareil extrêmement robuste. Bien sûr, ici, nous sommes dans la gamme professionnelle, mais nous avons des produits, dirons-nous, plus standards, avec un rapport qualité-prix absolument exceptionnel. Par exemple, comme ce petit support qui vous permettra de pivoter votre écran de plus ou moins 20 degrés. C'est vraiment une solution idéale pour équiper, par exemple, une résidence, un hôtel. Dans chaque chambre, vous pouvez mettre un écran LCD ou plasma, car son prix est très abordable et vous pouvez lui faire supporter plus de 75 kg au niveau du poids. C'est vraiment un très bon produit. Voici encore une nouvelle invention italienne qui permet d'adapter avec une précision redoutable des haut-parleurs d'après un certain degré d'inclinaison. Ce stand dispose également d'un système anti-vibration. C'est très simple, mais vraiment fonctionnel. Vous l'insérez de cette façon et vous n'aurez plus aucune vibration sur votre système.
Une dernière nouveauté relative au marché de l'enregistrement, c'est un nouveau stand microphone de table. C'est par ici. Le voici donc, avec sa sortie XLR sur le côté, son entrée XLR aussi sur le dessus. Il est assez lourd, vraiment stable, et vous pourrez apprécier son design et sa fonctionnalité. Il est disponible en blanc, comme vous pouvez le voir sur ces images. Voici un autre produit, plus petit que le précédent, avec la même connectique XLR neutrique femelle et un câble pour la sortie XLR mâle, toujours en neutrique. Il est lui aussi disponible en blanc. Et de toute façon, quelle que soit la couleur que vous voulez, il n'y a aucun problème pour nous.